Michel, je suis là, eh bien, sois très secondé à toi, je suis au niveau, je suis sur la rocade Est, au niveau des stations totales. Bon, toi par contre, je sais pas, tu dois juste démarrer là, je suppose, du QRA. Parce que là j'ai du mal à te sortir là. Je suis dans la zone un petit peu merdique là au niveau de la rocade. Là entre du côté des stations totales, des trucs comme ça. Voilà, j'arrive au niveau de la bretelle de sortie numéro 1 pour aller après vers le pont d'Aquitaine. Ah, pour le moment, là où je suis, tu passes tout petit, là, je me rapproche. Ah oui, si je l'enlève, tu vas de suite voir la différence. Attends, 2 secondes. Voilà, là j'ai plus rien. Là, ce coup-ci, j'ai plus rien. J'ai juste la puissance du poste. Là, je suis avec là. Bon, tu dois quand même sentir une différence. Oui. Attends, là où tu es, ça a vraiment du mal à passer là. Oui, je suis devant le lavomatique avant la poterie là. Je te disais le titre, est-ce qu'il a changé? Ah oui, on dirait que tu as mis le numéro 3. Là, ouais, c'est le même que le mien. Ouais, donc, alors attends, voilà. Attention à ne pas t'enrhumer, hachi 3 coups. Voilà, je suis en haut du pont d'Aquitaine. Les bosses à 1350 à toi, Daniel. Comment vas-tu? Ah, mais 100% que belle là. Voilà, j'ai pris un peu de retard ce matin là pour. Ok, bah, de toute façon, tu sais, du côté d'Artigues, il y a pas mal de QRM, ceci, cela, donc je t'aurais pas forcément entendu correctement, donc c'est pas plus mal. Et là, comme je te dis, là, je t'avais la petite antenne là. Je suis pas de la grande, je t'avais la petite, que j'ai d'habitude. Hein. Ok, et donc je t'arrive bien là-bas, hein. 56 mètres d'antenne, là, au final. Ah putain, quand même. Ah oui, d'accord, alors que moi le poste est posé sur le côté, bah tu sais où il est, hein, sur le côté de la console, à droite du levier de vitesse, quoi. Donc forcément, pour avoir un œil dessus, c'est un peu plus délicat. Mais je suis en train de faire une petite vidéo par la même occasion, là tu pourras voir ça, quoi. Bien aussi, il n'y a pas de problème, hein, puisque c'est un aérien qui est bien réglé, hein.
n'y a pas de souci. Voilà, ben, tu vois, même la petite, c'est ce que je dis après, elle marche aussi bien que la grande. Bon, c'est sûr que si je mets la grande, tu vas m'entendre. Mais la petite, tu vois, tu, comme la dernière fois quand tu m'as dit que tu vas faire... La première vidéo quand tu m'as dit que tu vas faire, tu vois, ouais putain, j'étais en train de t'écouter et tout, puis je viens de m'apercevoir que j'étais toujours à 70. Ok, et eh bien alors attends deux secondes. Ouais, voilà. Alors tu vois là le 7009, plus je fous les mains dedans, plus j'apprécie les réglages qu'il a. Hein. Parce que du coup là ce que j'ai réussi à faire, c'est tout en gardant la puissance d'origine, au niveau du réglage de puissance sur position maximum, j'ai pu jouer uniquement sur la puissance minimum. Alors ce qui fait que, oh putain ce charabia comprend qui peut quoi. Au niveau du poste, pour pouvoir rentrer dans l'Alfa Lima, j'ai réglé uniquement la puissance minimum. La puissance maximum est restée telle qu'à l'origine, quoi. Donc, sans l'ampli, c'est bon, je peux utiliser la pleine puissance du poste sans aucun problème. Et il me suffit juste de tourner le réglage de puissance en façade à fond à gauche pour avoir eh ben, juste ce qu'il faut pour rentrer dans l'Alfa Lima. Voilà, j'ai réussi à dire ce que je voulais. Eh bien, j'ai ouvert le poste et effectivement, j'ai été réglé ça directement sur le circuit. Et le réglage de puissance qu'il y a sur le circuit pour la BLU, en fin de compte, correspond au réglage de puissance minimum. Alors le premier coup, je trouvais ça bizarre, j'avais 25 watts minimum et 33, un truc comme ça, maximum pour la BLU. Ah bah oui, quand j'ai commencé à travailler dessus, je l'ai descendu à 10 watts, 10 watts en entrée, enfin 10 watts en sortie de poste. Et quand j'ai rebasculé puissance maximale au niveau de la façade, eh bien, je retrouvais à nouveau ma puissance maximum du poste. Ah putain, je me suis dit, c'est cool ça. Alors, ce qui fait que eh bien, j'ai le réglage indépendant du minimum en AM. En FM, ça descend trop bas, mais bon, peu importe. Et le réglage indépendant du minimum en BLU aussi. Donc, c'est génial. Le poste est prêt pour les utilisations en expédition, tout ça. J'ai juste à basculer soit à fond à gauche pour rentrer dans l'Alfa Lima ou à fond à droite pour une utilisation normale. Ah, ok, d'accord. Ah, ben c'est super. Voilà. Ah, ben écoute, oui, donc c'est les mains pour aider les causes, naturellement, c'est comme ça. Ah oui, il n'y a pas de problème. J'amènerai tout ce qu'il faut, une alimentation, un tosmet-wattmet, la charge fictive. Je prendrai tout avec moi, comme ça on se mettra en même temps un poste, et puis un autre poste aussi pour l'avoir en RX, là, à côté de soi, de façon à faire des bons réglages au niveau de l'écho. C'est-à-dire, si tu le veux comme j'ai fait, c'est-à-dire c'est le réglage 0 plus 1, ça te donne... de toute façon, tu dois l'entendre juste à peine, je pense, là, de ton côté. Juste un léger effet de réverb qui remonte un peu la modulation. Si j'ai bien réussi mon coup, c'est tout ce que tu dois avoir. Oui, c'est un petit souffle d'écho, hein. C'est un tout petit souffle d'écho, Rémi, c'est vrai que c'est pas bon. Effectivement. Il n'y a rien du tout. Voilà, c'est dans la modulation, ça donne un petit souffle, mais bon, c'est... Ça donne le radio de la par contre, voilà. Moi, je l'ai enlevé carrément, hein, parce que celle qui était réglée, là, je vois l'autre jour, Marseille, de le décès, là, par contre, j'ai dit que je me disais, là, c'est une entrée, comme ça, 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 comme ça
Putain la vache, là où je suis, j'ai du mal à te sortir. Hein. Là, je suis carrément là, caché là, par la ta chiochu, au fait. Hein. Je dois être... Ah oui, je suis du côté de la sortie Saint-Médard. Là, j'ai un peu de mal à te sortir. Je sais pas... Ben non, toi, tu dois m'entendre assez à ta chiochu. Sortie... Ouais, je suis là autour de la sortie 8. Ben là où il y a le radar. Voilà. C'est un peu critique, là, pour te sortir, là. Ok, putain, ils ont foutu un radar mobile. Hey, j'ai vu un flash là, il y a quelqu'un au loin devant moi là qui s'est fait flasher. Il y a aussi les radars qui placent comme ça là sur le bord de la route. Ah ouais, je viens d'en voir un là justement là. Ah putain les cons. Ah oui, tu m'étonnes. Il y a le radar fixe, ok, les gens passent, et puis bon, c'est bien connu, une fois le radar passé, tout le monde accélère. Et paf là, y en a, il s'est fait baiser quoi. Voilà. Ah tiens, tout à l'heure, sur la voie rapide, j'ai fait quelques petits tests comme ça en BLU. Putain, ça me fait baisser les phares de la voiture. Hein. Mais là, je suis au maximum aussi, hein. Enfin maximum. Je suis sur la position 4 au niveau de l'Alfa Lima. Et c'est bien suffisant, hein, parce que rien qu'en BLU, position 6, putain, j'ai les phares qui clignotent un peu, quoi. Ah non, position 6, c'est trop fort, là. C'est trop fort. Mais là, ouais, mais j'ai même que... J'ai la forme comme il sort, là. Avec le bordel, j'en veux pas avoir. Ouais, même j'ai dit position 6, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Emporté, là. Non, position 4, n'importe quoi. Position 4 en BLU, ça me fait clignoter un peu les phares du push, quoi. Ok. Moi, tu vois, il n'y a pas de problème. Ça fait pas un arbre de Noël. Voilà. Ok. Ouais, mais je ne peux toujours pas parler à ton micro. Là, il faudra que je voie là pour faire l'opération là, de sélection du micro. Là. Voilà. Et ouais, je pense que j'ai un douceur là. Et puis je me ferai ça là parce que c'est vrai que j'ai l'impression que l'ouverture du micro là est assez importante. D'accord, et ben moi je suis au feu là, de la sortie, merde, je sais plus laquelle, c'est la 10, je crois, à Martignas. Ah ok, d'accord. Ah, là, voilà, là, c'est... le mercredi 21, 22, 23, là, je suis à Ambès, là, anciennement... Alors, je connais pas, hein. Qu'est-ce que tu as à faire là-bas, hein? Ah mais attends, oui, on m'a posé la question effectivement. Ouais, c'est vrai que j'en ai vaguement entendu parler, oui. Ben, autrefois c'était Corfin Black, maintenant ça s'appelle Orion. D'accord. Voilà, donc j'ai les trois jours là. Pardon. J'ai les trois jours là. Là, je suis en plein dans les QRM de là où il y a le bon d'accord.
Bon, je dirais pas quoi à la radio. Ok, voilà, là je l'ai coupé là. Voilà, je l'ai coupé, j'ai remonté la puissance du poste. Ben, c'est qu'on est prêt, quoi, voilà. Hein. Sur des portées aussi courtes, c'est vrai que le signal ne varie pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est bien, oui, quand tu fais la longue distance, comme ça, ça te permet d'être un peu plus loin, mais là, en ce moment, voilà, c'est nickel, la radio, là, elle est pas mal. Bon, quelle heure il est, 25, ouais, ok. Bon, mais je vais pas tarder à y aller. Oui, donc aujourd'hui, demain, tu prends la route, c'est ça, donc demain matin aussi, tu es sur la route, là. Ouais, attends deux secondes. Oui, c'est ça. Et après, samedi, je suis à Mérignac. Qu'est-ce que je suis là, moi? Ok, tiens, j'ai pas fait gaffe, j'ai mes doigts qui ont dû traîner, pour le coup j'ai changé de canal. Ouais, ça m'est arrivé une fois ou deux, moi. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, ça. Ok, alors vu que là qu'on est quand même relativement près l'un de l'autre, donc là je suis uniquement avec la puissance du poste. Hein. Là c'est juste pour voir à quel point quand on est prêt comme ça, ça sert à rien de mettre davantage de puissance. Donc là je suis avec la puissance du poste uniquement, voilà, ok. Je relâche le micro, le temps de basculer. 7-8 points là, tu m'as fait là, 7-8 points avec la puissance du poste. Ok, et là j'ai tout allumé. Tout allumé, position 4. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans le push, la position 4, la position 5, j'aurai la même puissance. De toute la position 6, je rentre encore trop fort dedans, puisque c'est grand maximum 4 watts BLU, donc en AM, ça fait encore moins, quoi. Ok, ben là tu m'as fait du 8 points là. Voilà, donc tu vois, t'as gagné juste un point. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu gagnes juste un point. Voilà, et puis là on est à quoi? Il doit y avoir. Alors attends, un vol d'oiseau, à peine 10 km. Ah oui, à 6 km, je crois, entre Martignac et Mérignac, là, entre les deux sites. Je crois qu'il y a 6 km. Hop là, attends. Ah zut. Ok, ça y est, j'ai compris où j'ai mes doigts qui ont contraîné. J'ai encore changé de canal. C'est sur les petits boutons H3 coups, c'est sur les petits boutons qu'il y a sur le micro. Voilà, là je l'ai eu en direct live. Ok, voilà, c'est ça. Alors par contre, toi quand on dit que la longueur de coax joue au niveau du TOS, il y en a qui disent que non, ceci, cela, c'est pas vrai. Eh bien tiens, tu vois, là j'ai la preuve, là, tu le verras également là sur sur la vidéo. En branchement antenne directe, j'ai quoi? J'ai 1-1 de TOS. Donc là c'est nickel. Et là j'arrive à avoir une pointe à 1,5. Ouais, autour de ça, ça bouge un peu quand même. Voilà, 1,5. Mais de toute façon, je sais que sortie d'Alpha Lima, j'ai 1,1 de toute façon, donc c'est bon. C'est entre l'Alpha Lima et le poste, la longueur de coax qu'il y a là qui me donne un peu de tosse. Ouais, donc ben là tu vois avec le. Non, c'est mon environnement là, putain, qui est pourri ici là. Quand tu es en puissance uniquement du poste, là c'est. J'ai le QRM derrière qui. Je te dis pas, ça. C'est horrible.
Je te comprends, il n'y a pas de problème, mais bon, dès que tu as l'Alpha Lima, c'est clair et net. Mais là, juste avec la puissance du poste, c'est limite, hein, Rémi. Voilà, mais enfin, bon, il n'y a pas de problème. Oui, ben moi, je suis à 1-1, c'est pareil, là, 1-1, avec l'antenne, avec la petite antenne, et même avec la grande, si jamais la grande, j'ai le même TOS, hein, voilà. Donc, c'est vrai que. Il y a un gars là, t'as vu, là, qui a demandé comment les réglages de TOS là, avec sa porte là. Je lui dis le mieux c'est d'utiliser le tosmètre du poste, au moins il est sûr d'avoir un tos réfléchi direct. Hein. Voilà, au moins il est sûr d'avoir du tos. Voilà Rémi. Bon mais écoute, je vais te laisser parce qu'en plus ce matin on a les contrôles. Voilà, donc écoute, je vais te souhaiter une bonne journée. Et puis, je te dis à demain matin. Ok, ça marche. Alors, les bonnes soirées 51 à toi. Bonne journée. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis à l'entrée ou sur le côté. Aucune idée. Ça va être surprise, surprise. Allez, merci Daniel pour ce petit contact, plus ces petits tests. Bonne journée à toi. Ok, merci. Bonne journée aussi. 73. Téléphoné. J'en ai même dit pour qui est-ce qui se prenait là, qui est.